Bonjour madame, pourriez-vous me dire votre prénom et votre ville de résidence? Je m'appelle Christiane et je viens habiter à Saint-Amand-Montrond. Je ne suis pas originaire d'ici. Alors première question, que pensez-vous de l'actuel président de la République? Bon, rien. C'est-à-dire, vous pourriez préciser? Préciser, on ne va pas à l'étranger se balader quand tout va mal en France. D'accord. Alors deuxième question. Vous seriez à sa place, quelles seraient les mesures que vous entreprendriez pour améliorer les affaires de l'État? Je diminuerais déjà leur rythme de vie à eux. Et puis j'en donnerais un peu plus à ceux qui ont travaillé et ceux qui ont le courage de travailler encore. Voilà. Je vous remercie beaucoup madame pour ce témoignage. Bonne journée à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Votre prénom et votre ville de résidence. Alors, moi c'est Alain. Alain, je m'appelle Alain. Et je suis de Saint-Amand. D'accord. Première question, que pensez-vous de l'actuel président de la République? Ce qui se passe en ce moment, c'est un nul, c'est pas un président, c'est un chercheur. D'accord. Ok. Deuxième question, vous seriez à sa place, quel serait le genre de mesures que vous entreprendriez? Que les Français qui ont des petites retraites, des mamies, des autres, qu'ils fassent un plafond, qui c'est qui veut, Je ne sais pas. Et je vous le trouve le fait depuis tout à l'heure. Oui, ils cherchent, oui. Que déjà s'occuper des gens, des grands-mères qui n'ont rien et tout, avant de s'occuper de l'immigration. Ouais, vous pensez qu'il y a une action en faveur des personnes âgées à... Bien sûr qu'il y en a à faire, pourquoi qu'on donne des millions, des milliards pour les pays africains et tout, que moi j'ai connu, que j'ai fait. Alors donc on pense déjà aux Français de donner du machin. On regarde déjà dans son pays, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ben, je vous remercie beaucoup. Je m'en prie, monsieur, sans rancune et sans rien, c'est je lui dis ce que j'avais à dire, je le dis franchement, je ne comprends pas bien.